Ouais, on dirait que notre copine a une dent contre les dealers. On dirait bien, ouais. C'est quand même bizarre. Si elle tue des dealers, pourquoi est-ce que les infos veulent faire croire qu'elle choisit ses victimes au hasard? Comme si elle allait tuer n'importe qui. Oui, et alors? Bah, j'aurais cru que le DUP voudrait faire savoir que le meurtrier frappe pas au hasard. Si t'es pas un dealer, t'es pas en danger. Faudrait plutôt faire baisser le niveau de panique, non? T'es en train de dire quoi? Que le DUP veut effrayer les gens? Leur boulot est de réguler la panique. J'ai entendu des tirs. C'est toi qui les as tués? Je voulais juste faire mon devoir de citoyen, mais ils étaient déterminés à faire leur devoir de criminel. J'arrive à la ruelle, mais il y a un sacré paquet de gorilles armés. On dirait une rencontre entre dealers. Je déteste te la jouer bon flic, mais le devoir de tout citoyen est de s'interposer quand il est témoin d'un acte criminel. Ah, tu vois bien que tu veux que je tue des gens avec mes pouvoirs, finalement. J'ai jamais dit tuer! Tu les fais danser. Merde, tu le portail devant la ruelle est fermé. Ça t'avait pas empêché d'en. Reg, tu devrais trop voir ça. Speedy Gonzalette est une graffeuse et elle fait des trucs pas dégueux. Ouais, bon, n'oublie pas qu'elle tue des gens, ok? Et elle leur fait des trucs bien dégueulasses. Faut jamais laisser des bougies allumées sans surveillance. D'accord, elle est douée. Mais peut-être qu'en drainant ses pouvoirs, tu récupéreras aussi un peu de son talent. Il faut que tu me croies, ça va marcher. Brent. Oh tiens, un Brent. Elle en a vraiment que pour Brent. Je dois admettre que cette meuf fait un méchant vortex. Et c'est le grand moment du clou du spectacle. Ok, elle est sérieusement ravagée. Ok, donc la meuf remonte des plateaux repas, elle s'installe en face de Brent le Néon et elle lui raconte sa petite journée, tout en faisant la dinette. Tu sais, Olaf a une boutique sur la rue Alaska. Il paraît qu'il a la plus grosse enseigne en néon de toute la ville. Hé, hey, si j'avais des pouvoirs de néon et une maman gâteau, c'est là que je crècherais. C'est parti.
Hey, monsieur, signez la pétition pour lutter contre la drogue. Si on n'arrête pas ce poison, nos jeunes finiront comme Fetch Walker. Fetch Walker? Les drogues ont contaminé son corps. Elles l'ont changé en bioterroriste. Nous voulons... Fuyez! Fuyez! Il va tous nous tuer! C'est pourtant ça, la démocratie, Delsin. Wedge, je savais pas que t'étais au bout du fil. C'est moi qui t'ai appelé? Les gens ont le droit de dire ce qu'ils pensent, sans se faire attaquer. C'était de la légitime défense, mec! Ils avaient des panneaux, là, et des tracts! Finalement, après réflexion, tu serais vachement plus discret en te collant directement en plein sous le néon du restaurant. On sait qu'elle en restera pas là, et toi tu te fais stupidement remarquer en provoquant des bagarres sur le moindre trottoir. C'est eux qui ont commencé. Allez, file! Ok, je dois trouver une planque. Ok, ça va le faire. La surveillance, mais en mode clodo. Oh, waouh, ça sent bon. Pourquoi j'ai pas piqué de fric à ces dealers? Argent, pourquoi tu me hais? Sois mon ami, Argent. Viens par là, avec moi. Non ! Tout va bien ! C'est... Ah, pas encore ce truc! Comme la dernière fois, Delphine, concentre-toi! Comme l'éclair, trésor! Ah non, tu vas pas y échapper, je suis prêt maintenant! Mais fous-moi la paix! Hé, hey, tu cours sur les murs? Alors là, c'est trop fort. Allez! Allez! Ils l'ont bien mérité! Je peux en utiliser qu'un à la fois? Mais c'est pas juste! Allez mon gros, bouge ton boule! Il faut que je finisse ce que j'ai commencé! Laisse-moi tranquille! Oh non! Bordel. Eh, faut vraiment que tu te calmes, compris? T'inquiète pas. Je retournerai pas là-bas!
Laisse-moi tranquille! Bonne nouvelle, c'était la montée de Dieu. La mauvaise nouvelle, c'est que j'ai peur du noir. Peut-être que tu pourrais arrêter d'essayer de me tuer. Et comme ça, on épargnera les enseignes de bière. Attends, tu parles de vrai robot? Je veux juste un peu de tes pouvoirs, c'est tout. Laisse-moi la paix! C'était trop bon! Je sais que vous êtes là. C'est vrai, celui-là aussi, je vais m'en servir. Tu peux courir, mais pas te planquer. Bordel, mais t'es où? Je ne pensais pas que ça m'arriverait, que je deviendrais l'un d'eux. Et puis mes pouvoirs sont apparus. Mes parents m'ont balancé. Ils savaient ce que le gouvernement faisait aux gens comme moi, mais ça les a pas arrêtés. J'étais complètement paumée. Mais mon frère, Brent, a pris nos manteaux et on a filé. C'était dur de vivre dans la rue. De bouger de ville en ville, sans le moindre confort. Puis on a rencontré des dealers, et on est tombé dedans. La dope, c'était le paradis. Mais on en voulait toujours plus. Le manque, c'était l'enfer. Il nous fallait un fixe à tout prix. Et quand tu perds ta cam, quand tu crois que quelqu'un te l'a volée, la cam, les dealers, ils te font faire de ces trucs. Le gouvernement m'a chopé en vitesse après ça. Mais c'était pas une prison normale. Ils m'ont appris à tirer. À tuer aussi.
Alors le jour de l'accident, je me suis échappée en ayant appris plein de trucs. Tout ce qu'il me fallait pour régler ce bordel. Brent, je te jure, tous les dealers que je croise finiront avec ton nom gravé sur la poitrine. Plus personne souffrira comme on a souffert. Non, grand frère, plus personne! Delphine, ça va, frangin? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, t'as assuré, mon grand. Allez, debout. Bien joué. Hey, t'as bien fait. Je connais l'endroit parfait pour la vermine dans son genre. Un endroit où elle sera à l'abri d'Augustine et où elle fera plus de mal à personne. Eh, non. Es-tu juste des dealers, c'est tout? C'est tout? Delphine, elle assassine des dealers. Et tu crois que je fais quoi au type du DUP? Ce qu'il faut pour sauver les nôtres, les Akomiches! Non, écoute, fous-lui la paix. Non, pas question. Écoute, c'est pas parce que vous avez le même problème, pas donc problème, que tu dois te sentir obligé de protéger toutes les pourritures qu'on croise. Et je t'abandonnerai jamais, t'entends? Jamais. Mais cette fille, il faut l'enfermer. Oh! Hey! Hey, quand il s'agit des porteurs, c'est moi qui décide. Pas toi, pas nous, moi. Ah ouais? Alors monsieur le dur à cuire, l'indépendant, va enfin prendre ses responsabilités? Et pourquoi, hein? Une bioterroriste qui tue à tour de bras? Je t'aime bien, Raj. Alors m'oblige pas à te péter le nez, ok? Très bien. Si elle tue un père de famille demain, ou une mère de famille après-demain, sache que ce sera parce que tu l'as laissé faire. T'inquiète, il va se calmer. Ouais. Ouais, on discute. Ouais. Je suis désolé. Ah, regardez qui voilà. La réunion du club des porteurs est enfin terminée. Je voulais juste vous parler, ok? Histoire de voir si elle pouvait nous être utile. Oh, tu vas pas me faire le coup de la grimace de Reggie, hein? Tu sais que je déteste. Écoute, tu sais que les gens comme ça devraient pas être laissés en liberté. Est-ce que tu oublies qui d'autre est comme ça? C'est pas pareil, c'est différent. Oui, je sais, je suis ton frère. Et ton frère te demande de nous donner un coup de main pour essayer de rester en vie. Et si tu veux pas le faire pour moi, eh ben au moins, fais-le pour la tribu. Ok, qu'est-ce qu'il te faut? Merci. J'ai besoin de voir les autres facettes de ce nouveau pouvoir. Des mots aiguilles et bons tuyaux pour trouver les relais de noyau. Ah, c'est envoyé. Pour la tribu et pour toi. Merci. Je te dis si j'ai un truc. Non, je veux pas savoir ce que tu chopes. Au revoir, Reggie la grimace. Hey, Fetch, t'as vu ces boîtes lumineuses que le DUP a plantées? Partout en ville? Ouais, je les ai vus. Je crois qu'ils s'en servent pour me traquer. Eh ben, je crois que j'ai trouvé un moyen de m'en servir. Genre, les exploiter pour renforcer mes pouvoirs. J'allais te tenter sur l'énergie lumineuse que tu m'as filée. Je t'ai filé? Et je me suis dit que t'aimerais sans doute me suivre. Peut-être même me montrer les ficelles. Ah, j'ai déjà atteint ma limite de gros dealer pourri pour aujourd'hui. Alors pourquoi pas? Oh, t'es adorable. Va te faire. Ok, on est censé trouver un de ces trucs à l'angle de la seconde et de Main. Ouais, je l'avais repéré. On se revoit. Thank you.
Un caïd.